Salut les amis, ici Chris, comment allez-vous? Moi ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du premier coffret stade stratégie et combat de Écarlate et Violet. J'en ai 4 au total, peut-être j'en ouvrirai que 3 et le dernier je le laisserai en scellé pour la collection. Tout dépend de mon envie. Oui, j'ai fait un short, hein, sur la réception de ces coffrets. Donc n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de la notification. Vous connaissez la musique, pour le référencement YouTube, pour faire connaître la chaîne au plus grand nombre. Ce coffret, on va l'ouvrir en deux parties, vu qu'il y a deux boîtes à l'intérieur, plus des boosters en loose. Et donc, c'est parti. Monsieur Ciseaux est là. On fait une petite entaille. Voilà. C'est ouvert. C'est déblisté. On ne peut pas revenir en arrière. Voilà. Donc, bien sûr, tout ce qui est. Évolution Appel DA, et Écarlate et Violette, deuxième partie, quoi, partie 2 de cette extension. J'en ai pas encore sous la main. Je pense m'en procurer prochainement, mais je ne sais pas quand. Alors, hop, on enlève le fourreau. Nous avons donc Miraidon et Coraidon. Donc voilà. Elector, ah non, Elector, qu'est-ce que j'ai? Léviator, Terra Cristal, et les Poussacha, Chouchoudil et Coiffeton. Les trois nouveaux starters. Donc je fais une présentation rapide. Hein. Donc nous avons deux petits kits d'AP. Voilà, on va prendre celui-là. Le prochain, ce sera pour la prochaine vidéo. Nous avons un Big Tad 2. Carte énergie, nous avons des marqueurs d'état, nous avons les dés, y a un petit, ah oui, on n'a que trois boosters en loose, hein, au lieu de 4 habituels. Ils ont réduit la quantité avec cette extension. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va en ouvrir qu'un seul dans cette extension. Non, bon. Dans cette partie. Celui-là, on va le garder pour faire un combat entre eux. Et donc, on va prendre celui-là pour l'ouverture supplémentaire. Donc, je range tout ça. Ça reviendra une prochaine fois. Tac. Désolé hein, pour tout le blabla, mais. Donc. Vous avez dû voir l'ouverture sur d'autres chaînes, mais moi, première ouverture, je fais un débrief. Donc voilà, vous trouverez à l'intérieur, je vous laisse faire pause si vous voulez lire. Voilà. Hop, c'est parti. Allez. On décèle ça encore. Hop. Au moins ASMR. Hop, encore un fourreau. Et donc, quelle carte? Ah oui, il y a quatre cartes promo dedans. Donc, quelle carte? Et nous avons le petit feuillet avec la liste des cartes. Donc, quelle carte promo nous avons dans ce paquet? Et nous avons aux marmottes. Aux marmottes, voilà, et donc c'était un petit deck. Je l'ouvre pas. Hein. Il doit y avoir d'autres cartes à l'intérieur intéressantes qui sont pas en fait. En dedans, on peut trouver des cartes qui sont holo dans la série et non holo à l'intérieur, donc ce qui fait en fait des cartes supplémentaires pour la collection, à mon avis. Hein. Dites-le-moi en commentaire si vous faites pareil. Si vous mettez de côté les cartes qui sont pas normales, on va dire entre guillemets, par rapport au set. Et donc,
Commencer une nouvelle aventure avec les Pokémon X. Et donc la liste des cartes. Voilà. Petite présentation de ce petit truc. Et nous avons les 4 boosters et nous avons un art set. Hop. Ça de côté. Donc le booster en loose. On l'ouvrira à la fin. Et on va commencer. Bon, on va garder cet ordre. Allez. On va garder cet ordre. C'est parti. Hop. J'abaisse ceci. Je zoome un peu. Hop. Ah, j'ai trop zoomé. Désolé, ça vous fait des va-et-vient. Voilà, là c'est bon. Donc là, on peut pas se spoil avec le code. Hein. Ils vont arrêter ça. Tant mieux. Le code pour vous les amis. Toujours un code sur deux. Et donc le seul truc qu'il y a à faire, c'est mettre la carte énergie devant et c'est tout. Alors, avec une carte énergie de type feu. Non, énergie de type métal. Métal, acier, c'est comme vous voulez. Tapatoès. Nous avons Pimito. Nous avons Mamambo. Pomote. Charmina. Canarbello. Multi-expérience. La première reverse, c'est Olivini. La deuxième reverse, c'est Chochodil. Et on termine avec une aura holographique de recherche professorale. Professeur Olim. Il me semble que je ne l'avais pas, cette carte. Il me semble, je suis pas sûr. Hop, déjà ça. Allez. Mireidon. Si je me trompe pas. Hein. Toujours un problème avec ces deux Pokémon. Lequel est Coraidon, lequel est Mireidon, mais il me semble que ce c'est Mireidon. Hop, je retire le code. La carte énergie devant. Et on va dire une énergie de type plante. Pouce bleu. Ça mérite un pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Énergie plante. Mascaïman. Watwat. Dunaja. Scalproix. Triopico. Le juge. Première fois que je le vois, il me semble. Nous avons Mustéflo. Donc Coraidon en rare. Holo Reverse. Nous avons une deuxième Holo Reverse de rare Holo Reverse Motorizard. Et nous avons la rare Holo de Oyakata. Là, c'est rare hein, d'avoir deux rares Reverse. Quoi, Holo Reverse. L'un derrière l'autre. Donc voilà ça. Pour l'instant, pas grand chose à se mettre sous la dent. Peut-être ce sera mieux sur la deuxième partie de l'ouverture. Hop, alors. Voilà. Allez. Coraidon. Pour vous les amis, hop, avec une énergie de type foudre, non, énergie eau, énergie eau, Terracool, Motisma, le Vénard, super bonbon, Terra Cruel, Motorizard, nous avons bandeau de vitalité, la première. River c'est Malos, la deuxième river c'est Tarsal, et nous avons une simple holo de Wimessir. Alors là pour l'instant, il ne reste que deux boosters pour cette ouverture et rien du tout. Rien du tout du tout. Que des holos.
Hop, allez, Léviator. Va-t-il nous apporter une superbe carte? Tiens, le code, l'énergie. Et c'est une énergie de type psy. Non, combat. Énergie combat ou pierre, comme je le dis. Violet. Chevroom. L'épidonille. Policombre. Mimosa. Lucario. Plastron Rock. La première river, c'est le casque brut. La seconde reverse, c'est une holo reverse, c'est une rare holo reverse du tombéro. Et nous avons une Quatox X que j'ai déjà. Que j'ai déjà. Dommage, dommage. Pas de nouvelles cartes. Peut-être à part celle-ci. Et certainement dans les reverse aussi. Hein. Mais pas de grosses cartes nouvelles pour moi. Pour l'instant. Hop, ça sauve un peu l'ouverture, le petit ex. Et donc le booster en loose. Le code pour vous les amis. Et on va dire une énergie de type feu. Pouce bleu. J'ai découvert deux énergies hein, dans cette vidéo, c'est bien. Alors, Deden. Pomme de pique. Flotillon. Chochodil. Scarino. Gros drive. Bandeau de défi. La première reverse, c'est Anne-Morve. La deuxième reverse, c'est Tarsal encore. Et on termine avec une simple rare de Trousselin. Quoi, rare holographique de Trousselin. De toute façon, les cartes holo sont habituelles à ce set. Donc, le petit moment récap time, ça va être vite fait. Nous avons eu 3 rares holo reverse, qui est pas trop mal. Ça complète la série. 4 rares holo. Et enfin, la meilleure carte de cette ouverture, la Coatox X. Sur ce, les amis. Comme d'habitude, encore un instant pub, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. Ça me ferait vraiment très plaisir de vous compter parmi les rangs de ma petite communauté. Je vous dis à plus pour une prochaine ouverture, pour une prochaine aventure. Bye bye!